Et voilà, c'est parti pour ce 11e apéro passe ad hoc. Alors moi qui suis ingénieur informaticien, je vous confesse, 11, c'est binaire. Voilà, tout de suite, ça me parle. Hein, voilà. Donc vous allez vous dire, oula, un ingénieur informaticien, bon, alors de formation, j'ai essayé de me soigner depuis, qui nous parle histoire, patrimoine, tradition, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, sachez que chez passe ad hoc, c'est vous qui faites l'info, c'est vous qui nous envoyez les anecdotes, qui nous envoyez les petites histoires qu'on diffuse tous les jours sur Facebook notamment. Alors au programme déjà, pour vous situer un tout petit peu passe ad hoc, association reconnue d'intérêt général, et aujourd'hui au menu de l'apéro, messieurs, dames, nous avons pour le 11e apéro un peu de sport pour commencer. Alors comme tu disais Claude, oui le sport c'est limité, je suis d'accord avec vous. On a aussi une deuxième tournée d'apéro quand on aura fini avec le sport pour parler du quiz qui était au fort de Brescou, à proximité du Cap d'Agde en Occitanie. Le quiz de demain, peinture, et on ira voir ce que Tom Villa nous a sorti du grenier. Ça vous convient? On y va? On attaque? C'est un bien un Gambetta, exactement, Manon, c'est bien un Gambetta limonade, Calou, Gambetta limonade, bien trouvé, Claude, Gambetta, et toi tu mets du kirsch dedans. Bon, il y a ma tata qui est arrivée, messieurs, dames, on la salue, sous le pseudo de Mamoun Simone. Salut tata, j'espère que tu vas très bien. Écoute, ici à Montpellier, on est en pleine forme, voilà, tu peux l'entendre au son de ma voix, on a une pêche juste pas possible. La première tournée, c'est vous. Alors, pour la première tournée, je vais vous solliciter. Il y a déjà une première raison pour laquelle je vais vous solliciter, c'est celle-ci. La raison, c'est qu'en fait, je vais vous demander, dès que vous sortez de votre confinement, dans quel lieu, alors je ne vous parle pas d'une salle de sport, mais dans quel lieu du sud de la France vous aimeriez aller faire du sport. Donc moi, par exemple, un des lieux où j'adore aller faire du sport, c'est Gramont, qui est à côté de Montpellier. Et il y a une petite forêt qui est très sympa. Et on est quasiment en lisière de ville, mais c'est très agréable, c'est sous les pins, etc. Où iriez-vous faire du sport dans le sud? Vous nous répondez en commentaire. Et on se retrouve juste après une interview d'une personne qui s'appelle Jacques. Et Jacques, il est fanat de sport et fanat de sport aquatique. Il s'appelle Jacques Tuzet. Il est membre de l'association Aqualove. Et Jacques, il va nous parler de sa passion, il va nous parler de ce qu'il fait, ce qu'il anime dans cette passion. Et vous allez voir, c'est quand même assez atypique. On a une atypique. Dame de Bédarieux qui est coincée au Maroc. Est-ce que tu Jacques peux nous aider Chuse. À traverser le bras de mer qui sépare le continent africain du continent européen? Ah oui, mais il faudra des gens pour l'accompagner parce qu'elle ne pourra pas nager déjà toute seule. C'est le gros souci puisque pour nager en mer, il faut toujours avoir quelqu'un avec soi pour s'accompagner. Parce que le principal danger en mer, c'est justement il peut arriver n'importe quoi, à n'importe quel moment. Et si on est seul, et ben même la personne la mieux entraînée peut avoir des défaillances. Donc déjà, il faudrait qu'elle se trouve quelqu'un pour l'accompagner. Et ensuite, et ben partir de Tanger et aller jusqu'en Espagne, quoi, à la nage, avec les courants. Mais bon, c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de vent là-bas. Et il faudra les autorisations parce qu'il y a beaucoup de trafic. Quoique maintenant, avec le coronavirus, je sais pas s'il y a tellement de trafic. Ça c'est clair. Alors parle-nous de tes exploits, Jacques. Ouais, ben je relie des îles prisons jusqu'au continent le plus proche. Alors moi, en fin de compte, j'adore la natation en eau libre parce que justement nager en milieu naturel pour moi, c'est un espace de liberté et d'évasion. Et aujourd'hui, ben je n'en profite pas. Ben je dis que je suis quand même enfermé comme dans une prison, quoi. En attendant de retrouver cette liberté. Je m'entraîne toute l'année avec toutes les conditions et avec toutes les températures. Puisque de toute manière, quand on s'évade, eh ben, on ne sait pas de quelle température on va avoir. Aujourd'hui, j'ai fait pas mal d'évasions depuis des îles prison et les températures de l'eau peuvent varier entre 12 et 27 degrés. Quoi. Voilà, avec des forts courants, avec des fois des mers agitées, avec du vent force 3, 5, des creux de 2 mètres. Donc il faut se préparer vraiment à toute éventualité. Tu t'entraînes toute l'année à Palavas-les-Flots, dans l'Hérault, c'est ça? Et voilà Jacques, vous voyez, sacrée détermination, hein. 12 à 27 degrés pour la température de l'eau. Ouais, alors dites-nous tout, qu'est-ce que vous allez faire pendant
pour aller faire du sport après le confinement. L'Estérel me suffira, mon bonheur. Donc plutôt Var et Alpes-Maritimes, OK en Provence. Le tour du lac d'Alos, très sympa aussi, très très sympa. Alpes-Maritimes, Manon qui disait, moi je partirai en rando dans l'Estérel, je monte aux Trois Croix. Les Trois Croix, nous dit Calou, c'est dans le Var. Guillaume qui nous dit bonjour. J'espère que la convalescence se passe bien, que ton rétablissement se passe bien avec ce satané virus, Guillaume. Claude qui nous dit « Je nage comme une enclume ». Calou qui tague les amis, c'est excellent. Et Marise qui dit « Bonsoir, Guillaume ». Donc, ça, c'était notre ami Jacques Tuzet. Alors, Jacques Tuzet, c'est lui, grâce à lui, que nous avons ce magnifique quiz ce soir, messieurs, dames. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite à la réponse du quiz. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, ça me va très bien. Allons-y, la réponse du quiz. Paf, on y va. Il y a des jours où tout glisse et il y a des jours où, voilà. Ben, bon. Deuxième tournée, messieurs, dames, c'est le quiz d'aujourd'hui. Hop, nous sommes partis. Est-ce que vous aviez reconnu ce phare ? Eh bien, ce phare, c'est le fort de Brescou. Qui était à proximité du Cap d'Agde, dans l'Hérault, en Occitanie. Merci Anthony Levrault pour la photo qui vient de Wikipédia et Jacques Tuzet pour ce quiz. Et ce que je vous propose, c'est qu'on écoute Jacques qui nous explique ce qu'il souhaite faire à partir de ce phare. Alors écoutez, tendez bien l'oreille, ça peut être aussi une activité à faire dès que ce satané confinement est terminé. Qui est quand même un monument de l'Hérault, hein, puisque c'est la seule île, on va dire, de l'Hérault, et c'est le seul endroit aussi qui a une ancienne prison, puisque le fort Brescou a servi justement par le passé de prison aux gens du département. Alors dis-nous, est-ce que tu peux nous situer un petit peu le fort Brescou, où il se trouve ? Il se trouve au large du Cap d'Agde. C'est tout un patrimoine qu'on ne connaît pas. Voilà, c'est quelque chose de sympa. En plus, je rencontre des gens formidables qui m'aident justement à m'évader, qui me font découvrir leur patrimoine justement en m'ouvrant les portes de certaines prisons qui sont justement interdites au public. Donc c'est vraiment quelque chose de super. Tu es la seule personne que je connaisse qui demande à ce qu'on lui ouvre les portes de prison. Donc ça, écoute, bravo, respect. Je rajoute quand même, je fais ça aussi pour une maladie orpheline génétique qui s'appelle la choroïdérémie, avec donc l'association France Choroïdérémie. Voilà, on essaie de récolter des fonds justement pour cette maladie qui entraîne la cécité. Jacques, on te souhaite un bon confinement en famille. Oui, c'est, on peut dire. On fait avec. Tu as une baignoire chez toi ? Eh non, j'ai même pas. J'ai une douche à l'italienne. Donc j'ai même pas une baignoire. Mais bon, faut bien s'entraîner. On va continuer à s'entraîner à sec, une petite préparation physique générale. Puis on va bien trouver quelque chose pour se mouiller. Ouais, regardez-moi ce beau sourire. Il est complètement à fond, notre ami Jacques. Et on aime les gens à fond, nous, ici, à Passadoc. Excellent. Merci à toi, Jacques, pour cette interview. C'est absolument génial. Alors là, je vous le dis parce qu'on est entre nous, hein. On est entre nous chez Passadoc. Bonjour à ceux qui nous regardent sur passadoc.fr. Bonjour à tous ceux qui nous suivent sur Facebook. Les résumés, vous pouvez les retrouver maintenant sur YouTube. Pas les résumés, excusez-moi. Les directs, les apéros. Donc ça, c'est notre petite cuisine à nous. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde les commentaires, comme d'habitude. Donc les commentaires, j'aimerais bien vous les afficher, mais voilà, j'ai une grève générale de cet outil informatique qui a décidé que, voilà, il ne m'aiderait pas. Voilà. Il a décidé, non, François, tu me sollicites beaucoup, confinement, moi, droit de retrait, voilà, laisse-moi tranquille. Donc, moi, je suis pas comme ça. Voilà, c'est moi qui ai le dernier mot, normalement. Donc là, je meuble un peu. Les derniers commentaires. Bravo, dit Claude. Bravo, Jacques. Bravo, dit Calou. Aurélie, je tends les deux bras. Aurélie, cofondatrice de l'association Aqualove. Hello, Jacques Tuzet et François. C'est très, très sympa de t'avoir avec nous pendant ce direct. Écoute, c'est génial, génial. Bravo pour tout le travail qui a été mené par toute cette génialissime équipe. Association Aqualove qui mouille le maillot, et on peut le dire, hein, plusieurs fois par semaine, et notamment les samedis à Palavas-les-Flots dans l'Hérault. On fait un petit essai là, on regarde s'il est revenu en vie, notre ami l'ordinateur.
Non, mais c'est juste admirable, quoi. C'est juste admirable. Et on a des petits cœurs. Oh là là, mais c'est magnifique. Merci. Vous nous comblez. Vous nous comblez. On est parti? Allez, on a mis l'ordinateur. Vas-y, vas-y, mon gars. Tu peux y arriver. Allez, allez, on y croit. Il y a des jours comme ça où ça veut pas. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On essaye. Si vous voyez un espèce de logo tout gris, c'est que ça n'aura pas marché. Il y aura d'autres trucs à faire, mais c'est pas grave. On va pas s'arrêter au détail. Est-ce que j'essaye? Allez, j'essaye. J'essaye ça. Pouf. Ah ben voilà, mais c'est beau. Putain, j'y croyais tellement peu, messieurs dames, que j'ai même pas ouvert la fenêtre Facebook. Vous voyez la petite cuisine interne passe ad hoc. Hop, on y va, on ouvre. C'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. On est parti. Donc moi, ce que je voulais vous montrer, c'était les commentaires du jour sur notre quiz, parce que c'est ça le qui fait le fun. Kalout me disait tout à l'heure par téléphone, me disait ah oh, quand même c'est chouette parce qu'il y a l'interaction, etc., etc. Donc voilà. Donc dites-nous, je veux voir encore plus de commentaires. Où est-ce que vous irez quand le confinement sera terminé? Dites-nous s'il vous plaît. Bonjour marraine, Maëlle Mietton, marraine de l'association depuis le 11 novembre 2019. Messieurs, dames, excellente comédienne qui a fait son conservatoire d'art dramatique à Montpellier en 2002. Donc vous voyez, mes invitations, les notifications, enfin absolument génial. Mais moi, je voulais simplement, moi je suis un peu bassement matériel, je voulais vous montrer la publication du quiz de ce matin. Voilà, le direct, vous voyez, on est vraiment en direct. La publication de midi, merci Claude, sur Moustier-Sainte-Marie. Je vous encourage à aller voir si vous ne connaissez pas ce superbe village à proximité des gorges du Verdon. Allez, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va y arriver? Oui, allez, un peu de soutien. C'est marrant, comme parfois, on peut se dire que revenir du fort de Brescou, ça paraît simple à côté de faire marcher un outil informatique. Messieurs, dames, on y est. Regardez, le fort, il est là. C'était le quiz de ce matin, paru un petit peu en retard sur Passadoc, la page Facebook de Passadoc. Alors déjà, on va aller prendre du plus récent. Alors ne bougez pas, restez avec moi, restez avec nous. Le dernier à avoir parlé, c'était Thierry qui nous dit le phare de Brescou. Merci Thierry qui nous a envoyé un magnifique quiz. Catherine, alors Catherine, je suis désolé, là je mets ma casquette d'ingénieur informaticien. Tu crois qu'il est à paupières, il fait partie de l'histoire matinale. Donc j'imagine que c'est une bonne vieille blague. Merci Catherine qui nous écrit de Belgique. Salut, au bout de l'acheter nous dit Yvette, encore un peu d'humour. Claude qui nous dit aucune idée, qui fait une référence aux éternuements. Eliane qui nous dit bonjour à tous, qui donne sa langue au chat avec de magnifiques icônes. Et Maris qui nous dit bonjour, je ne pense pas en Méditerranée, mais tu as attendu ce soir, tu as bien fait, c'était en Méditerranée. C'est vrai qu'on aurait pu se dire côte atlantique, ça faisait un petit peu le décor côte atlantique. Bon, voilà, peu importe. L'important, c'était qu'on participe et qu'on puisse tous répondre, échanger, interagir. Vous vous souvenez, je vous le dis, je vous le répète, Passadoc ne dépense pas un centime en pub. Et donc, ça veut dire que le seul moyen de faire connaître notre asso, c'est vous. On en était là. Donc, le fort de Brescou, on pourra aller une fois que le confinement sera terminé. Le quiz de demain, messieurs, dames, le moment que vous avez entendu, même attendu, en exclu, le quiz de demain, quel est-il? C'est cette peinture. Alors, je veux simplement enlever ma photo parce qu'il y a un élément qui est important. Hop, voilà, je vais enlever mon image. Est-ce que vous voyez cette peinture? Merci Martin pour avoir pris la photo. Nous étions avec Martin ensemble en août l'année dernière. Vous verrez demain la réponse en vidéo. Alors, il y a un petit indice, vous voyez sur la partie droite, vous pouvez deviner un mai 2014. C'est simplement là pour vous dire que ce n'est pas une peinture trop ancienne. Donc, n'allez pas chercher une archive qui a beaucoup d'années, ça date de 2014. Donc, quel est cet endroit et surtout, quelle est cette peinture? Pourquoi cette peinture? Quel est le contexte? On sera demain un jour qui est particulier dans la culture chrétienne. Quel est ce jour? Voilà, vous nous direz ça demain. Écoutez, on sera absolument ravis. Tout simplement ravis de vous lire. Commentez. Claude qui nous dit au bistrot.
pour la fin du confinement. T'as raison. Moi, je propose qu'on fasse un vrai apéro en bonne et due forme. Alors, la quatrième tournée, je vous l'ai dit, hein, c'est la tournée de la patronne. Ça aurait pu être la tournée du patron. Nous, c'est la parité totale chez Passadoc. Bon, au conseil d'administration, nous sommes sept. Pour l'instant, il n'y a que deux femmes, mais on fera rentrer. Parité, ce sera difficile, sinon il faudrait qu'il y ait une personne qui soit coupée en deux. Donc compliqué. Mais bon, on est très, très, très attentif à ces sujets-là. Mais c'est la tournée de la patronne. Voilà, je me suis dit un jour, voilà, j'ai envie que ce soit la patronne qui paie sa tournée. C'est quand même le seul endroit où vous avez quatre tournées, dont une offerte en 20 minutes. Voilà, il faut le dire, messieurs, dames. C'est quoi? C'est quoi? C'est une pépite que moi j'ai particulièrement appréciée. Alors 18 mars, ok, c'est à quelques jours. Donc si vous l'avez raté, si vous ne faites pas partie de ces 8 millions qui l'ont vu, on va se la passer quand même. Hein? On est entre nous, on est là pour se faire plaisir. C'est le moment de vous saluer, de vous remercier de nous avoir suivis. On se retrouve à nouveau demain, même heure, 18h. N'oubliez pas de nous envoyer vos pépites. N'oubliez pas de nous envoyer. Ce qui vous fait triper sur le sud, histoire, patrimoine, tradition, pour qu'on fasse des quiz. Si vous avez des trouvailles, des perles du net pendant cette période de confinement, envoyez-les. On sera absolument ravis de voir tout ça. Juste pour vous rappeler, 300 articles, même plus, sur passadoc.fr. Merci Vodali Studio pour le logiciel qui nous permet de faire ces directs. Toutes nos coordonnées sont là. Pensez à aller aimer les pages et à dire aux copains d'aller aimer les pages. Si vous nous aimez énormément, vous pouvez même adhérer à l'association à partir de 10 euros. Vous verrez ça sur passadoc.fr et surtout, parlez-en autour de vous. Ok? Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain. Merci de nous avoir suivis. On retrouve tout de suite Monsieur Tom Villa avec le.